Hello, je ne trouve pas tes conseils pour se débarrasser de la cellulite. Alors, je vais te dire exactement le protocole que tu dois faire pour dire au revoir à ta cellulite. Okay? La première des choses à faire, c'est de faire un peu de sport tous les jours. Ça, c'est très important, vraiment, parce qu'il ne faut pas oublier que la peau a besoin simplement d'avoir du sang qui est envoyé à l'endroit, par exemple, où tu as de la cellulite. Donc, c'est très important que tu fasses du sport tous les jours. Deuxième chose, faire du sport, d'accord, ou envoyer de l'énergie sur la zone locale que tu souhaites travailler, autrement dit la zone où tu as de la cellulite. Par exemple, si tu as de la cellulite sur l'arrière de tes cuisses, insiste vraiment sur cette zone-là. Tous les jours, fais un peu de sport là-dessus, même si c'est 10 minutes, d'accord? Donc, fais du sport sur les zones en question parce que ça va permettre simplement d'envoyer encore une fois du sang, de la chaleur dans cette zone. Donc, qui dit sang dit bien sûr des nutriments qu'on envoie, dit bien sûr de l'oxygène, hydratation, tout ce que tu veux. D'accord ? Mais il faut travailler localement les zones où tu as de la cellulite. Sinon, ensuite, troisième chose que tu peux faire, c'est t'acheter par exemple des électrodes. Okay? Donc, les électrodes, c'est vraiment super. Ça va permettre vraiment d'activer les zones où tu as de la cellulite. Donc, n'hésite pas à prendre des électrodes et à les mettre là sur ces zones en question. Ensuite, quatrième chose, il faut que tu réduises tes glucides. Essaie dans un premier temps, par exemple, sur un mois, de ne pas dépasser 50 grammes de glucides par jour. Okay? Ce n'est pas une question là de compter tes calories, c'est une question de compter tes glucides. Ne dépasse pas 50 grammes, d'accord, de glucides vraiment par jour. Et la dernière astuce que je vais te donner vraiment pour réduire ou anéantir ta cellulite, vraiment prends des douches froides, d'accord. Pas besoin de taper un exploit et de prendre des bains glacés, ça c'est très très bien, c'est vraiment le top du top. Mais déjà, tous les jours, vraiment, prends des douches froides, ok. Et en sixième astuce, vraiment, fais du cardio, d'accord. Donc du cardio, si tu peux tous les jours un petit peu, c'est bien. Donc bien sûr, le sport, le cardio, ça reste du sport. Mais moi, je te conseille vraiment de faire de la musculation sur la zone en question qui contient la cellulite. Fais ça et tu vas avoir des résultats incroyables.